Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le navigateur par défaut sous Windows 11. La méthode pour changer le navigateur web par défaut entre Windows 10 et Windows 11 n'est plus la même, mais vous allez voir que sous Windows 11, il nous suffit de quelques clics pour effectuer cette manipulation. Avant d'effectuer la manipulation, je vérifie que mon navigateur web par défaut, en lançant un raccourci vers un site, eh bien, c'est le navigateur web Edge. Voilà. Pour donc changer le navigateur web par défaut, il nous suffit d'aller dans Paramètres, d'aller dans Applications, Applications par défaut, de chercher dans la liste le navigateur web qui vous intéresse ou carrément de taper ici dans la barre de recherche Chrome, dans mon cas, de sélectionner Chrome. Et ensuite, tout là-haut, vous avez un joli bouton définir Chrome comme navigateur par défaut. Voilà, il y a quelque chose qui a changé ici. On peut la regarder, l'icône ici a changé. Si je ouvre maintenant l'URL, on voit que maintenant je suis bien dans Chrome. C'est parfait, j'ai changé le navigateur web par défaut. Merci de votre attention, merci pour tous les abonnés, les likes, les partages. Et de votre attention, bien sûr. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la fin de la vidéo. Salut !